Quand toi, tu m'as dit autre chose à propos de ton voyage. Je suis au courant de ça. Est-ce qu'on peut arrêter avec cette... Non, on va pas arrêter. S'il te plaît, aidez-nous à arrêter les images. Non, réponds-moi. Non. Toi, tu m'as humilié. Chérie, comment t'humilier? Non, attends, toi, tu m'as humilié. Comment je... Toi, tu me triches avec ça, tu sais ça? Escroc aventurier que tu es. Je suis impatiente. J'ai besoin de monter. Non, laisse. Faut plus me charger, ok? C'est ton nom, en fait. Faut plus me charger. Tu m'insultes. Ok, Brice, d'abord, c'est qui? C'est parce que là, tu as dit Brice, jusque là, il ne veut pas te parler. C'est apparemment mon téléphone. Ouais, je vous remets le jeu, mais je veux d'abord savoir si Brice. C'est un frère. C'est un frère. Un frère. L'infidélité, c'est pas pour le femme, hein. Ah, hein? C'est pour les hommes. Là, tu dois savoir, hein. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes, mais tu fais jamais me tromper. C'est pour cela que tu fais jamais me tromper. Tu criais, non? Tu criais. Vas-y, hausse ta voix. Hausse ta voix. Moi, je ne suis pas ton homme. Non, je ne suis pas ton homme. Moi, je ne suis pas ton homme. Qu'est-ce que tu fais faire? Oh, est-ce que je... Mais là, tu as annulé votre relation avec. Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Hein? Monsieur, c'est votre truc. Ouais, c'est. Dis-moi d'abord, est-ce que j'ai l'air de blaguer? Hein? Tu joues avec moi. Et tu fais aussi des choses à la manière dont. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais, je vous comprends. Ouais. Tu n'arrives même pas à me satisfaire sur le lit. Après, tu dis que je fais des révélations. Tu n'arrives même pas à me satisfaire sur le lit. Après, tu dis que je fais des révélations. Moi qui lui a traité des. Mais chérie, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Je ne suis pas venu ici pour t'attendre, pour t'écouter aussi. Donc, boucle juste ta bouche. Je ne parle pas à toi. Entre toi et moi, il n'y a pas l'amour. Salut à tous, salut la team Yafifi, salut la team Ulrich, c'est votre Ulrich, toujours dans votre émission préférée, le test de fidélité Made in Kinshasa, toujours dans votre chaîne préférée Yafifi TV. Donc voilà, merci à tous nos internautes, en tout cas merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous appellent, en tout cas vos remarques, vos encouragements, ça me va droit au cœur en tout cas, voilà, donc on est là. J'ai toujours tendance à dire Yafifi TV, c'est la famille. Si tu es abonné sur Yafifi TV, sache-le très bien qu'on est la famille, donc voilà. Faites abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, on est là, on est ensemble. Vous m'avez beaucoup appelé par rapport au test que j'avais à faire avec Stallone et ma joie et tout. Je vous avais dit que je vais faire de mon mieux. Je vais chercher, je vais leur appeler et tout. À travers vous, on va essayer de leur interroger, on va essayer de leur demander la sponsor de leur relation, s'ils sont toujours ensemble ou pas. Le but de notre émission, on est là pour démasquer l'infidélité et arranger. Le but de notre émission, on n'est pas là pour séparer les couples, c'est pas ça notre but. On est là pour démasquer l'infidélité et arranger. Donc voilà, comme je veux démasquer l'infidélité, c'est aussi mon but d'arranger. C'est aussi mon devoir d'arranger ensemble avec Moses, on va arranger. Donc voilà, moi si tu peux élargir la caméra, je vais les interroger ensemble avec vous. Voilà. Major, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Voilà. Est-ce que tu as eu le temps de suivre la vidéo? Est-ce que tu avais regardé la vidéo? Oui, mais pas tellement. Pas tellement. Ta famille, tes amis, tes connaissances, les inconnus, on t'a appelé par rapport à la vidéo? Oui. C'était quoi leur dire mais par rapport à la vidéo? On t'a condamné, on t'a encouragé. C'était quoi en fait leur dire? On t'a condamné. On t'a condamné. C'était ok. Ils ont dit quoi? Que tu as agi comment? Tu avais mal agi? Ah. Mal agi. Je ne pouvais pas faire ce genre de choses devant tout le monde. Devant tout le monde. Ok. Voilà. Mais après ce qui s'était passé, est-ce que tu as eu le temps de... C'est parce que moi, je vous avais suivi juste pour prendre votre numéro. Et puis, je vous avais laissé. Maintenant, quand vous êtes parti, vous avez arrangé, j'espère. Vous avez arrangé. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Comment ça? Mais il a refusé. Il ne veut plus de cette relation. C'est lui qui a refusé. Ok. J'ai fait tout, j'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais au moins, au début de votre mission, si je me souviens bien, c'était toi qui ne voulais pas en fait. Je ne voulais pas même que vous puissiez partir ensemble là et tout. Mais encore ça, ça a encore changé. Mais ça se comprend, c'est parce que j'étais en colère. J'étais en colère le jour-là, mais quand je suis retournée chez moi à la maison, ça m'avait vraiment choqué parce que elle se comportait bien devant mon fiancé et puis devant les gens, c'est pas bien. Ok, voilà. Stallone, comment tu vas, frère? Ouais, je vais un peu bien. Un peu bien? Ouais. Et l'autre un peu? Ouais, parce que depuis ce qui s'est passé avec elle, je suis toujours dans le monde stress. Voilà. Tu es toujours stressé? Oui. Ok.
Mais est-ce que tu as eu le temps de suivre votre vidéo? Je vais regarder votre vidéo. Je n'ai pas eu le temps de suivre la vidéo, mais beaucoup plus, il y a les gens qui m'ont beaucoup appelé, parce que je suis un peu connu. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit des choses, et pourquoi je me suis permis de passer dans cette émission, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Donc voilà, je n'avais pas aussi la bonne réponse, j'ai répondu à Bango. Donc d'un coup, votre émission a eu le temps de beaucoup été suivie par les gens, donc voilà. Ok. Donc ta famille, les inconnus, la les famille, amis, les collègues, et même mon pasteur avait suivi ça. Même ton pasteur? Même mon pasteur avait suivi ça. Ok. Voilà. Maintenant, après ce qui s'était passé, moi, je vous ai juste suivi et puis j'avais juste pris votre numéro. Et maintenant, les gens m'ont aussi beaucoup appelé. On veut savoir l'atmosphère de votre relation. Vous êtes toujours ensemble là ou pas? Parce que là, quand moi, je vous ai suivi, j'avais juste pris votre numéro. Après, je vous ai laissé prendre la moto et c'est parti. Maintenant, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez eu le temps de se parler, de se dire des choses? La dispute avait continué et d'un coup, je suis un homme, j'étais catégorique. Avec toutes ces sottises qu'il avait dit sur moi, j'avais arrêté cet amour. Et cet amour est arrêté, on ne doit plus répéter ou être encore ensemble. Donc, c'est fini entre moi et elle. Voilà. Bah, si je comprends bien, c'est plutôt Major qui ne voulait pas que vous puissiez partir ensemble. Parce que après ça, j'avais forcé de lui survivre et parler ensemble avec elle. Ouais. Mais il n'y avait pas une bonne attente. Donc j'avais essayé de lui expliquer de certaines choses, à part cette vérité-là, mais il n'y avait pas une bonne attente par rapport à la compréhension. D'un coup, elle s'est fâchée, elle n'avait pas de maîtrise. C'est tout, je suis un homme, j'ai pris ma décision que c'est fini entre moi et elle, donc c'est tout. Voilà. Maintenant là, ça s'est passé après l'émission, quand c'était j'étais... après l'émission. Après l'émission. Oui, il y avait une attente entre moi et elle, donc voilà. Donc si je comprends bien, quand j'étais parti, tu as essayé d'expliquer à ma joie, mais elle ne voulait pas parler, te comprendre. Elle n'a pas pu me comprendre, elle n'a pas pu me supporter. C'est ce qui m'avait poussé parce que mon cœur était poussé jusqu'au bout. Et d'un coup, je me suis dit, à quoi bon de continuer de vivre avec elle? Moi qui lui a traité des... Mais chérie, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ici pour t'attendre, pour t'écouter aussi. Donc boucle juste ta bouche, je ne parle pas à toi. Entre toi et moi, il n'y a pas l'amour. Tu comprends? Si tu veux seulement que j'arrête cette émission pour la deuxième fois, que je me lève ici, donc yo kolo belo. Ok, c'est bon. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Entre moi et elle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vis seul. Voilà. Tu vis seul. Je vis seul. Ok. Voilà. Mais Major, mais si toi, tu viens de me dire que après c'était plutôt lui qui ne te comprenait pas, tu as essayé de lui faire comprendre. Hein. C'est selon ses dires, selon ses propos, il a dit que c'est toi qui ne voulais pas lui comprendre. C'était quoi en fait? C'est parce que là, je suis perdu, je ne comprends rien du tout. S'il te plaît, pour ouais. Moi, vu que c'est déjà passé, c'est quelque chose que je voulais directement. Sauf que je sais que Art n'a posé exactement bien qu'il devant l'homme de ma vie, devant mon fiancé, à vous de poser Art. Tu vas rectifier, je ne suis pas l'homme de ta vie. Hein. Appelle-moi Stallone. C'est simple, l'homme de ta vie, qui est l'homme de ta vie? Bah, c'est même... J'étais l'homme de ta vie, je ne suis plus l'homme de ta vie. J'étais, je veux bien conjuguer, j'étais, mais au moins... je ne suis pas, non, j'étais. Mais s'il te plaît, ouais. S'il te plaît mon amour, tu sais très bien que tu es tout pour moi, non? Je ne suis pas tout pour toi. Non, tu es tout pour moi, si tu j'étais, le sais très bien. Je ne pourrais pas être humilié devant les gens, moi Stallone. Tu sais très bien que je te respecte, non? Tu me respectes? Je le sais, oui. Alors qu'est-ce qui t'avait poussé d'émanciter devant les gens? Moi que j'étais en colère. La chose qui m'avait choqué, Ngaï, je suis incapable de te satisfaire au lit, moi Stallone. En oubliant qui je suis, toi tu as oublié qui je suis. Hein? Major, frère, si tu veux plus de cette relation, c'est quoi? C'est parce que là vous avez fait 5 ans ensemble. 5 ans c'est pas peu en fait, 5 ans ensemble et déjà on te connaît dans sa famille, vous voyez? Et maintenant là, comment est-ce que tu peux arrêter une relation où vous avez fait 5 ans? 5 ans c'est combien de choses? Les gens qui sont même mariés, qui sont ensemble 10 ans, 25 ans, ils prennent le temps de se séparer, messieurs. Dans votre soyez, couple, soyez aussi de mon côté. Dans votre couple, vous avez, en fait, vous avez jamais d'attente et après vous avez après arrangé. Non, il y avait des attentes, bien sûr. Ouais. Mais à ce point, non, non, non. Et puis ce qui est sûr, dès qu'elle est là présente, même si Dieu tombe du ciel,
Je ne peux jamais lui pardonner. Tu ne peux pas dire ça en fait. Même si Dieu tombe du ciel, je ne peux jamais lui pardonner. Donc, là, sincèrement, mon cœur est ouvert. Ce qui t'a choqué, si tu ne veux plus de cette relation, c'est parce qu'elle t'avait traité. D'un impuissant. Donc, c'est ça. D'un impuissant. Moi, Stallone, d'un impuissant. Moi, Stallone. C'est celui qui te faisait pleurer. Tu t'avais frappé aussi. Moi, là. Aujourd'hui, je suis impuissant. Moi qui te faisais pleurer, moi. Il t'avait frappé le jour. Si je pense encore. Est-ce que tu sais que tu m'avais déjà puni? Est-ce que tu sais que tu m'avais frappé le jour là? Donc après leur mission, quand vous étiez parti, il t'avait frappé? Oui. Ok. Bon, dans ce cas, frère, s'il vous plaît, déjà, dans ton téléphone aussi, on avait aussi trouvé deux choses. On avait vu que tu sors avec sa fille. Bien sûr. Ouais, maintenant là, je ne sais pas. À travers notre émission, c'est parce que là, en fait, on ne les comprend pas à travers nos internautes. Tu peux nous confirmer votre relation avec sa fille? Vous êtes ensemble avec sa fille ou pas? La seule vraie amour qui vivait dans mon cœur, c'était elle qui est à côté. Sa fille, c'était juste une plaisir à côté, je pourrais dire. Une plaisir à côté. Parce que dans mon cœur, sa fille ne vit pas. La personne qui vivait dans mon cœur, je dis bien, je parle du passé. La personne qui vivait dans mon cœur, c'était elle. Tu faisais l'amour avec elle? Je n'ai jamais le temps de coucher avec sa fille. Alors, là, je le dis tout haut. Ça, c'est pas une radio, c'est la télévision. Tu Et vois? Tu faisais quoi avec elle? Qu'est-ce que tu faisais avec sa fille? Stella, est-ce que tu peux me répondre? Qu'est-ce que tu faisais avec sa fille? Bah, tu n'as pas le temps de me poser des questions. Bon, c'est à lui de voilà, me poser la question. Merci beaucoup. Mais au moins, on peut savoir qu'est-ce qui t'avait poussé d'aller te mettre en couple avec sa fille pour juste pour le plaisir en fait. Une plaisir, voilà. Pas seulement une plaisir. Pas seulement une plaisir. Ouais. Je suis un garçon, je dois le dire, ça c'est la télévision. Je suis un garçon qui vient dans une famille très pauvre. Très très pauvre. Voilà pourquoi, le jour de la dispute, elle avait bien dit, je ne donne rien. Je ne donne rien comme argent. Alors avec sa fille, c'est quoi? Elle m'aidait beaucoup, financièrement d'abord de 1. Si je vous dis que je couchais avec sa fille, ah, que Dieu puisse me punir. C'était juste l'intérêt de m'aider. Non, alors financièrement, c'est tout. Rien pour toi. Tu faisais, ce n'était pas non, pareil que ça. Puis là, j'étais là, vous. Tu m'as jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. Oui, tu m'as jamais aimé. Dans les 5 ans que j'ai passé des moments mais ensemble. Tu m'as triché avec sa fille, c'est clair. Je n'ai pas couché avec sa fille, je le dis tout haut. Donc, si je comprends bien, c'était juste pour t'aider. Juste pour m'aider. Maintenant, avant le nez, avant qu'elle puisse t'aider. Je lui avais promis. Moi, j'avais promis. Mais c'est toi qui lui avais proposé d'être ensemble avec elle. Non, non, c'est elle qui m'avait. C'est elle qui. Non, franchement, là, je l'ai dit, c'est elle qui m'avait cherché. Voilà, et après. Et pourquoi pas, je t'avais dit à sa fille que, ben, dans ces cas, je m'en proposais, oui, tu es belle et tout, ben, J'avais même dit à sa fille que je pourrais demander la permission. Demander la permission. Demander la permission ou dire. Ou dire à ma joie que. Toi là, tu es en train de me provoquer. Mais d'un coup, je me suis dit, je suis un homme, Nazam Kolo. Comment dire à des choses, on est en train de me draguer, puis je puisse aller dire à. Non. On sent l'amour déjà. Donc, on sent l'amour déjà. Et tu trouves ça normal? Ben, déjà, tu ne pouvais. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Ben, tu ne voulais. Qu'est-ce qui. Ben, pourquoi pas tu avais dit à Safi que tu es déjà en couple avec ma joie? Même si je disais à Safi que je suis en couple, Safi, je la connais très bien, plus qu'elle. Tu la connais très bien? Oui, très bien. Comment ça? Vous connaissez à longtemps 5 ans de relation. Ouais. 5 ans de relation. 5 ans de relation. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans de relation avec toi. Tu vas me dire depuis longtemps. Attends, s'il te plaît. Tranquille. Vous parlez de 5 ans. Est-ce que moi, j'ai nié ces 5 ans? Mais c'est j'ai connu sa fille avant toi, c'est qui est sûr. Donc tu as eu un consomme avec sa fille avant. Mais oui, bien sûr, mais pas dans le sexe. Pas dans le sexe. Attends, s'il vous plaît. Pas dans le sexe. S'il vous plaît. Sérieux, pas dans le sexe. Voilà, là, je. Là, maintenant, je me trouve. Essaye un peu d'équilibrer les choses. Vous avez dit que tu allais être ensemble avec sa fille avant pas ma dans joie. Le sexe. Ouais, non, oui. Non, hormis sexe. Oui. Mais tu allais être ensemble avec sa fille avant ma joie. Si. Ouais. Donc, c'était entre chérie et chérie. Chérie et chérie, mais avant ma joie. Elle, maintenant, c'est ma fiancée. D'accord. Quand tu vivais avec ton ex. Et attends. Donc, maintenant, comment est-ce que tu viens de dire, ben. Sa fille t'avait dragué et tu allais maintenant demander à ma joie. Okay. Tandis que tu allais être ensemble avec sa fille avant ma joie. C'est parce que je l'aime, elle sait très bien que je lui ai jamais eu le temps de tricher, je lui ai jamais eu le temps de garder certaines vérités. Mais là, tu viens de dire que maintenant,
J'allais avouer que Safi, il y a une certaine Safi qui est en train de me déranger. J'allais te déranger, non. Oui. Pas te déranger, mais tu étais déjà ensemble avant ma joie. Parce que cette histoire a traîné. Safi cherchait à faire du mal à ma future épouse. Non, mais c'est plutôt ma joie même qui a fait du mal à Safi. C'est parce que ma joie vous a trouvé avec Safi. Tu peux le dire comme ça. Vous voyez? Tu peux le dire comme ça. En fait. Voilà. Ben, ma joie, tu dis quoi pour cette relation? C'est quoi maintenant tes propos? Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, il n'y a rien, elle n'a qu'à vous dire que c'est tout, c'est fini entre les deux. C'est forcément le temps de parler. D'accord, vas-y. Je sais que tu me trichais avec Safi, je sais que tu faisais beaucoup de choses avec Safi. Tu me disais que tu as un voyage alors que tu étais toujours avec Safi. Starlon, s'il te plaît, tu sais que je t'aime beaucoup plus que ma propre vie. Je m'aime plus que quoi? Plus que ma propre vie. Tu sais comment j'ai gâché ma vie à cause de toi. Tu sais comment j'ai abandonné beaucoup de choses à cause de toi, Starlon. T'as dit quoi? Starlon, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu peux me donner même la dernière chance? Est-ce que tu peux me pardonner? Je te promets que je ne veux plus recommencer ce genre de choses. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, non, ne t'agenouille pas, c'est parce qu'ici il y a de l'eau, s'il vous plaît. Ben déjà, ok, tu veux cette relation, oui. Tu veux toujours être ensemble avec Stallone. Je veux cette relation. Maintenant, tu avais nié Stallone, maintenant tu continues toujours la relation avec Bruce. C'est parce que dans les conversations avec Bruce, on avait dit que tu avais nié Stallone. Maintenant tu avais dit que tu n'es pas en couple avec Stallone, tu n'es plus ensemble avec Bruce. Nous sommes plus ensemble. Comment qu'est-ce qui a fait que tu puisses pas être encore ensemble avec Bruce? Moi avec lui c'était juste pour s'amuser. Alors s'amuser, hein? Donc avec moi tu ne s'amusais pas. Pour non, s'amuser. Moi, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Voilà, ouais, vas-y. S'amuser, je t'aime pas pour n'abagier comme lui. Moi, maintenant c'est comment la relation avec Bruce? Je ne suis pas en relation avec lui. Nous ne sommes plus. Tu as dit à Brice d'arrêter ou bien c'est Brice qui t'a quitté? C'est moi qui lui a dit d'arrêter tout. Tu as commencé avec Brice avant Stallone ou après Stallone? Ne bégayez pas. C'est parce que nous on est là pour arranger. Ici vraiment dans notre émission on aime la vérité. Si vraiment tu dis la vérité et Stallone vient de dire la vérité et après vous allez arranger, c'est parce que nous on est là pour démasquer l'infidélité et arranger. Comme je viens de démasquer l'infidélité entre tous les deux côtés, je veux maintenant arranger. Stallone a été en fait franc avec ses dires. Elle a dit, en fait il a dit la vérité. Je veux que toi aussi tu puisses dire la vérité à propos de toi et Bruce. Je connais Stallone avant Bruce. Tu as connu Stallone avant Bruce. Bruce est venu après. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu puisses te mettre en couple avec Brice? Avec Stallone, je n'étais pas satisfaite. C'était quoi la cause? C'est parce qu'il ne voulait plus de moi. À chaque fois quand je l'appelais, il me disait toujours qu'il est occupé, qu'il est en voyage. Donc, ça ne me permettait plus d'être seule. Donc pendant que tu avais besoin de Stallone, il était toujours en voyage. Il ne te donnait plus l'attention, l'affection. Oui, et c'est ce qui t'a poussé d'aller te mettre en couple avec Brice. C'est ça? Oui. Maintenant, avec Brice, quand c'est pour combiner Brice et Stallone, pour mixer, je faisais comment? Elle nous a bien géré. Est-ce qu'on peut arrêter ce genre de choses? Non, en tout cas, après là, j'arrange, je vous laisse partir. En fait, on veut juste savoir un peu sur ça. Je l'avais déjà dit de ne plus m'appeler, c'est ça? Ok. Donc, c'est ça. Et là, on essaye et moi. Et dans ce cas, tu n'es plus en couple avec Bruce, tu es sûr? Je suis plus avec lui. Tu peux jurer devant Dieu que tu n'es plus en couple avec Bruce. Je jure devant Dieu. Que tu n'es plus en couple avec Bruce. Tu es prêt de donner ton téléphone à Stallone pendant 6 mois. Pendant six mois. C'est ton amour. Tu seras ensemble avec lui pendant... Est-ce que le téléphone n'est pas confiance à m'aider ma base? Non, mais au moins, comme on avait trouvé l'infidélité dans ton téléphone, c'est aussi la meilleure façon de lui prouver ton amour.
Bon, moi je dis 6 mois. Mais peut-être. Ouais. Faire l'échange avec qui? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là d'abord je te pose, après je vais arriver là-bas. Je suis d'abord avec toi. Le 6 mois là, je dis ça juste pour dire. Mais au fur et à mesure, ben, peut-être que ça sera après un mois, deux semaines, deux jours, tu remets ton téléphone. C'est juste pour. Je suis prête. Je suis prête. Oui. Je suis prête. Tu peux me donner ton téléphone? As-tu oublié quand tu venais ici, tu m'avais remis ton téléphone? As-tu oublié? Tiens ton putain de téléphone. Au moins, ce que j'aime chez vous, c'est parce que quand je vous ai appelé, vous êtes venus ensemble. Moi, quand je vous ai dit ensemble, venir ensemble, je me suis dit que non, vous avez déjà rangé. Mais ça m'étonne de voir ce genre de choses. C'est parce que vous êtes venus ensemble. Je suis à même non, son téléphone. C'est poliment que je suis venu. C'est poliment parce que je ne pouvais pas. Mais au moins, vous êtes venus ensemble. Vous êtes venus ensemble. Si, bien sûr. Parce que venir ensemble, c'est ce qui va restituer cet amour. Non? Si c'est fini, c'est fini. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu parles? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de parler devant la télé? Tu sais très bien que je suis brutal. Hein? Ne me poussez pas à m'énerver une fois encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? S'il essaie vous plaît. De m'aider, s'il te plaît. D'accord. Hein? La piste d'attente est que moi et toi, il n'y a plus rien. Ton téléphone, je t'ai remis. Non. En fait, dans notre émission, on te donne son téléphone. Tu vas faire avec ça pendant 6 mois pour te prouver qu'elle est maintenant fidèle envers toi. Et puis vous allez arranger votre relation. Non. Je suis catégorique. Tu veux pas? Non. Tu veux plus de cette relation? Je ne veux plus de cette relation. Non, comment je t'ai donné mon téléphone? La meilleure de choses que je pourrais te dire, je te hais. Chérie, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Osa pour son ami Boma. Non. C'est ce que tu veux, non? Mais c'est ta famille. C'est ce que tu veux. C'est ta famille qui aura une perte. Où soit tu n'as pas sa fille, tout ça n'a yo. Donc tu es toujours ensemble avec sa fille? Tu es toujours ensemble avec sa fille? J'ai déjà fini avec sa fille. C'est fini déjà avec sa fille? Je vis seul actuellement. Je le dis tout haut. Dieu m'entend parler. Je ne vis plus avec sa fille. Mais attends, tu ne veux plus encore avoir une relation amoureuse? En tout cas, même les gens qui sont en train de nous suivre maintenant, ils vont vraiment m'excuser. J'aimerais être seul. Seul, je vous dis. Pourquoi? Et parce que je comprends moi que c'est moi qui est... une mauvaise personne? Non, une mauvaise personne, c'est moi. Infidèle, c'est moi. La personne qui ne sait pas comment se faire sa femme, c'est moi. Sorcier, c'est moi. Tous ces mauvais noms, c'est moi. Donc, je dois d'abord rester seul, revoir ma vie, et puis, d'un coup, je pourrais encore retomber amoureux d'une personne. Donc, voilà. Donc, après tout ce que je dis, même étonnant son téléphone, je ne veux plus. Je n'ai pas besoin de son téléphone, ni sa présence, ni sa beauté, ni ses lèvres. Nous, donc, je n'ai besoin de rien. Et puis, avant même qu'on puisse quitter cette plateau, elle doit supprimer mon numéro. Mais vous êtes venus ensemble, vous devez aussi partir ensemble. Rentrer ensemble, bien sûr. C'est comme les piétons, on est en train de marcher ensemble. C'est comme si on s'est croisés dans la rue. On va marcher ensemble. On va marcher, c'est comme si on est dans une marché. Voilà, on doit marcher. Mais pas toucher son téléphone. Voilà. Major, tu dis quoi sur ça? Mot de la fin, c'est parce qu'on est déjà presque à la fin. Mot de la fin. Tu dis quoi? Il est là devant toi. Tu peux lui dire quoi comme mot de la fin? Comme on dit, on ne force pas l'amour. Mais au moins, je ne sais pas, de ton côté, tu dis quoi? Ok. Starland, regarde-moi dans les yeux. Sache que je t'ai toujours aimé et je t'aime toujours. Peu importe tout ce qui s'est passé entre nous deux, mais sache que tu es toujours dans mon cœur. Je sais que tu vas toujours me pardonner parce que je suis ta femme. Mais laisse-moi te dire que je te souhaite des bonnes choses, bonne chance à toi. Mais je suis toujours là pour toi. Je vais toujours continuer à me battre pour cette relation, peu importe. Je t'aime. Merci. Ah, Moses. On s'est dit quoi? Je vois que Kenel a fait. Hein. Voilà. Donc, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec Stallone et Majoa et tout. Comme on dit, on ne force pas l'amour. L'amour, en tout cas, on ne force pas l'amour. L'amour, c'est naturel.
quand tu commences à forcer l'amour, en tout cas là, sache très bien que tu vas te faire mal dans les jours à venir. Vous avez suivi l'histoire avec Stallone. C'est ceux qui n'ont pas regardé l'histoire de Stallone et Majoa. Je crois que moi, je vais mettre les extraits. Ou bien vous pouvez encore entrer, vous allez voir l'histoire, le début, comment est-ce que leur amour était et comment est-ce que ça bardait. Comme conseil à tout le couple, fidèle ou infidèle, en tout cas quand tu aimes ta femme ou bien quand tu aimes ton homme, reste focus dans ta relation. Peu importe, il ne te donne pas l'attention, l'affection, bats-toi pour cette relation. Si tu trouves que non, c'est bon, tu n'arrives plus, dis-lui clairement que tu ne veux plus les autres relations, arrête la relation et continue ta vie. C'est important. Au lieu de cacher ça, au lieu de faire semblant et aller encore te mettre en couple avec une autre personne, commencer à mixer deux personnes, ce n'est pas du tout bien. Sache de très bien que le karma existe. Tu dois être vrai, car dans l'amour, la vérité c'est important. Dans une relation, quand il n'y a pas l'amour, dans une relation, quand il n'y a pas la vérité, en tout cas, sache-le très bien que ce n'est pas une relation. Le dialogue, c'est important. Dieu seul sait les pourquoi qu'il avait mis le dialogue. Quand il y a un « ça ne va pas », parle à ton homme. Quand il y a un « ça ne va pas », parle à ta femme. C'est important. Je crois qu'on est à la fin de notre émission. Je vous avais dit que le but de notre émission, on est là pour démasquer l'infidélité et arranger. J'essaie de démasquer l'infidélité dans ses couples, mais malheureusement, Stallone ne veut plus de cette relation. Il veut rester seul. Et Majoa a essayé de faire comprendre Stallone, mais Stallone, malheureusement, il ne veut plus de cette relation. On ne force pas l'amour. Majoa est d'accord et elle vient de dire qu'elle est prête de se battre pour cette relation. Tôt ou tard, elle fera de son mieux pour retrouver encore son amour Stallone. Je crois qu'on est à la fin. Maximum de partage, partagez la vidéo au max, toujours dans votre chaîne préférée FIFI TV. Donc voilà, nous on est là pour travailler. Nous on est là pour la réalité, pour démasquer l'infidélité et arranger. Donc voilà, je crois qu'on est à la fin. Maximum de partage, partagez la vidéo au max. Ensemble avec Moses, on vous dit au revoir. Bye.